Ici, nous sommes cours Cambronne, un vieux cours nantais qui a été érigé sur l'emplacement d'un ancien couvent, le couvent des Capucins. On est non loin de la place Gralin, en fait, avec la rue de l'Âtre de Tassigny, hein, qui descend sur la rue de la Fosse. Et se trouve donc cette fameuse statue qui est là depuis 1848 et qui a été faite par Jean de Bay. Jean de Bay, c'est celui qui a fait les fameux anges du passage Pommeraye. C'est une statue en hommage à ce général, en fait, qui est né à Nantes en 1770 et qui est mort en 1842. Et cette statue, elle va être érigée, en fait, 6 ans après sa mort, en hommage à celui qui a dit « La garde meurt et ne se rend pas à la bataille de Waterloo ». On lui attribue aussi le fameux mot qui commence par « M ». Et surtout, il confirmera jamais qu'il a dit le mot « mère », on peut le dire. Hein. Il confirmera jamais. Cette carte, elle est intéressante parce qu'on est vraiment au début du XXe siècle et on s'aperçoit que sur ce fameux cours qui est long de 180 mètres de longueur et large de 50, il y a un kiosque à musique ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ce kiosque à musique a disparu. Ça fait partie des mystères de Nantes. Et on ne sait pas ce qu'il est advenu de ce kiosque. Sur cette photographie, on aperçoit aussi des enfants parce que les enfants aimaient bien poser sur les cartes postales. Le cours Cambronne, en fait, il est aussi encadré de 16 immeubles ici, très, très beaux immeubles qui sont classés monuments historiques. Et quand on regarde bien, au fond du cours Cambronne, on aperçoit tout au fond là-bas, tout au fond, la fameuse cigale, parce que la cigale est déjà là. Elle est arrivée en 1895, le 1er avril 1895. La brasserie nantaise a été inaugurée. Sur cette seconde carte, on devine aussi des superbes lampadaires. On aimerait bien les retrouver, disparus aussi, disparus dans les oubliettes du temps.